Bonjour tout le monde, c'est Eti. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Supermarket Simulator. Et comme vous voyez, j'ai 31296. J'ai presque tout pour faire la licence. Donc c'est plutôt cool. Les factures à payer, voilà. Ça c'est moi quand je paye pas mes factures, quand je farm de mon côté. Non. La licence est à 34 000. Je croyais que c'était 32 000. La licence est à 34 600, donc on va ouvrir. Oh, j'ai peut-être pas envie d'ouvrir en fait. J'ouvre ou j'ouvre pas? Je sais qu'il y en a que ça énerve que j'ouvre pas dès le début. Quoi, j'ai pas envie d'ouvrir. Je plaisante, j'ouvre, allez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire 2-3 jours le temps en fait d'avoir l'argent nécessaire pour acheter la nouvelle licence. Et par la suite, on va essayer d'arranger un peu. Je vous remercie pour vos retours par rapport à mon rayon là. Vous l'avez kiffé, donc ça fait énormément plaisir. Et je pense qu'en agrandissant encore, ouais, donc on va devoir farmer encore. Je vais faire les rayons comme cela. Et je pense que ça peut être sympa. Je pourrais peut-être même commencer à les faire là. Parce que là, ça, c'est en trop, techniquement. Et ça, ce serait en tête de rayon. Donc, il y aurait moyen. Mais en tête de rayon, je pense que je mettrais des bonbons à la place. Vous savez, souvent, il y a des bonbons aux caisses. Donc, est-ce qu'en tête de gondole, plutôt, on ne mettrait pas des bonbons que des frigos? Parce que moi, je vois surtout les bonbons. Vous savez, il y a les bonbons qui sont ici. Donc, je me dis, voilà. Ce serait peut-être mieux. Pour le rayon congélateur, etc. En fait, j'ai une envie, c'est de faire dans les supermarchés. N'oubliez pas le but. D'ailleurs, merci, un grand merci. Vous êtes énormément nombreux à me dire que j'essayais de le faire au maximum comme un vrai supermarché, etc. Et que ça ressemblait. Donc, merci beaucoup. Moi, ça me fait plaisir. Et c'est ce que je veux, hein, clairement. Quand je me lance dans un jeu, je pense que vous l'avez vu avec le nombre incalculable d'épisodes sur Farmer, sur Ranch, sur Mon Planet Zoo, sur quasiment toutes les séries. Quand je m'en lance dans un jeu, je m'y lance à fond. Et j'essaye toujours de faire mon maximum pour que le jeu soit le plus possible, si c'est de la simulation comme ça, réaliste. Et pour les congélos, etc., j'aimerais bien faire un peu comme mon Leclerc, par exemple. C'est-à-dire que là, on a des espaces congélateurs, freezer là. Ici, chez mon Leclerc, on a le lait, on a des œufs, on a le lait, on a là, vous savez, les chocolats trucs et tout ça, mais je mettrai simplement le lait machin, avec de la crème fraîche et tout. Non, attends, c'est pas de la crème fraîche. Comment ils appellent ça? Si, c'est de la crème, une sorte de crème, enfin, je sais pas quoi. Et en face, donc, il y a les trucs de congélation. 97, c'était pas un faux billet, madame, hein? Oula, non. 97,25. Et tout en face, il y a les. Ah bah c'est bon, attends, non, c'est par carte. Tout au fond, en face, il y a le rayon. Pas boulangerie, mais. Comment on appelle. Bah si, c'est une boulangerie en fait. Là où il y a les gâteaux, quoi. J'aimerais bien qu'il en mette. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de mage. Ça fait 2 semaines là. J'espère qu'il va bientôt en mettre une parce que j'ai vraiment envie de. D'avoir plus de choses quoi. Enfin bref. Donc. Peut-être que. En fait, le rayon là il est pas gênant parce qu'il va là. Donc je le trouve pas gênant. Et si je fais des rayons avec gondole. Avec tête de gondole, je pense que je vais les faire. Je vais en faire 2 ou 3 là. Et celui-là qui sera là, il sera plus petit. Mais je vais le faire en tête de gondole, avec des têtes de gondole aussi. Et je pense que ça peut rendre hyper bien. Faut que. Je crois que j'ai. D'ailleurs, il me reste. Des armoires, ok. Du congélo. Je sais pas si j'en avoir besoin, mais je le garde quand même. Mais ouais. Je veux que mon magasin soit parfait. 148,60, monsieur. Et j'aimerais aussi qu'il augmente les PNJ. Parce que tourner aux alentours de 50-60, entre 50 et 60, c'est un peu chiant.
J'aimerais bien, genre, un rush à un moment donné de la journée. Un bus qui arrive, par exemple, comme dans l'autre jeu que j'ai oublié son nom, Gas Station. Histoire de pouvoir avoir un gros rush et une grosse entrée d'argent d'un coup. Ça serait pas mal. Parfait, merci monsieur. Enfin bref. Du coup, il y a des nouveaux jeux qui sortent que je vais vous présenter. J'ai déjà les clés. On m'a déjà demandé de présenter un autre jeu de Robin des Bois qui est sorti en février. Je viens à peine de recevoir la clé. Donc je vais le faire aussi. Il y a d'autres jeux de simulation qui vont ouvrir. Donc j'ai très très envie de faire Mumuse. Il y a plein de choses qui se déroulent sur la chaîne et ça c'est grâce à vous. Donc un gros gros merci. Supermarket Simulator a fait avancer les choses pas mal sur la chaîne. Et tout ça c'est grâce à vous et je vous en remercie énormément. Moi ce que j'aime c'est surtout découvrir des nouveaux jeux, jouer avec vous. Et voilà, parce que tout ce magasin là, sans vous, il n'existerait pas. Genre les fromages par deux, ça c'est une de vos idées. La bière pareil, la bière ici c'est pareil. Farine aussi, les sucres. Les sauces, l'huile j'aurais jamais mis avec les sauces, mais en fait ça rend trop bien. Enfin il y a plein de trucs quoi. C'est notre magasin. Puis j'aime bien vous voir râler. Non, pas trop râler quand même, soyez gentil. J'aime bien vous taquiner, genre quand j'ouvre pas de suite là. Je sais qu'il y en a certains qui veulent que j'ouvre tout de suite. Et j'aime bien faire perdre un peu de temps. Non, pas du tout. Juste que j'aime bien réfléchir et faire les choses correctement. Enfin, pas correctement, mais dans l'ordre. Après tout, je suis un homme. Je peux pas réfléchir à deux choses à la fois. C'est très dur pour moi. 50 centimes. Tenez. Ah non, 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 non. Oh, on ne rate pas 50 centimes. Vous savez que j'ai. Ah ouais! J'ai cru qu'il allait. Que le mec là allait se mettre en boucle de queue. Non, parce que ma caisse est ouverte, hein, monsieur, dame. Et oui, je sais aussi. Puis on m'a dit, ouais, c'est chiant de que à la fin de la journée, à chaque fois, tu dois attendre Simon et Marc qu'ils aient fini et tout. Je suis d'accord, mais j'ai pas d'autre manière, je peux pas assurer une caisse complète. Quoique, en fait, si, j'ai déjà essayé, mais je peux pas assurer tout le temps, quoi. C'est hard. C'est de l'exercice, hein. Et ça m'a donné des sueurs froides la dernière fois. Mais je recommencerai, c'est amusant. 26,50. Monsieur, bonjour. Alors, 31, 30. Waouh. Vous pensez qu'un jour, je vais marquer 300 ans au lieu de 3 et ça va passer? Il vient me traiter de voleur, mais bon, genre là, je mettrai 700. Ah bah non, je peux pas. L'année prochaine, je mets un gros chiffre pour voir si ça passe. Deux trente-cinq. Cent soixante-dix. Ouais, non, faut que ça soit chiffre petit. Peut-être qu'un jour ça passera. Genre là, je mets 178. Ah, entrée. Ah non, il veut pas. Dommage. Encore du monde des clients? Non. On est pile à 34 695, donc on va devoir enchaîner avec un autre jour. Histoire de pouvoir être tranquille. Parce que s'il faut que j'achète des racks encore. Hop, 35 050.
55, 4000. Ok. Du coup, on part pour une nouvelle journée. Liquide vaisselle et Saint-Jacques. Liquide vaisselle et Saint-Jacques. Saint-Jacques, c'est celle-là. Oui. 4,60. Et le liquide vaisselle, il doit être quelque part par là. Faut que je m'habitue. Il est là. On va le mettre à 8,80. Ça ira très bien. Est-ce que je les aide à remplir un petit peu? Genre le riz blanc. Le riz éco plus. Voilà, comme ça, je sais qu'il y en a qui aiment bien quand je mets en rayon. Donc j'essaie de faire plaisir à tout le monde. En boisson, peut-être du truc noir, ouais. Hop, non pas toi. Toi. Voilà. Et vu que je sais qu'il y a des gens qui sont impatients, on va ouvrir tout en rangeant les trucs. Allez, je fais de mon mieux hein, pour vous satisfaire. Hein. Tiens, les yaourts, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mis. On va les mettre. Il y en a pas mal en plus, là, regardez. Le beurre aussi, on peut en mettre pas mal. On va aller acheter. On va l'acheter. On va aller prendre du beurre. Hop. Et le beurre. Tac, 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 tac. Voilà, ça c'est cool. Le lait, non, on va attendre tranquillement. Ouais, le lait là par contre, ouais. Le gruyère ça part trop vite. Mais le gruyère, on fait tellement de choses avec le gruyère. Mais vous savez que le gruyère, normalement, il a pas de trou. Eh ouais. Et il est où mon gruyère? Pourquoi j'ai deux fois du parmesan? Oh, j'ai pas de gruyère. J'ai pas de gruyère. On est d'accord, j'ai pas de gruyère. Hein. Ah, j'ai pas de peiné aussi. Ah si, il m'en reste 4, ok. Oui, je sais, ça sonnait. Mais je suis étonné d'avoir mal rangé le gruyère. J'ai encore mis une mauvaise étiquette. J'ai mis deux fois du parmesan et j'ai supprimé l'étiquette gruyère du coup. Monsieur, bonjour, comment que ça va bien? Ça vous fera 66, 40. 50, 60, 65, 66, 10, 20, 30, 40. Tenez. Je vais aussi acheter des PNE. Alors, PNE. Je vais en acheter 3 paquets du coup. Ouais. Et c'est tout. Ouais, je me suis trompé encore avec le lait. La dernière fois c'était avec le pain, maintenant c'est avec le lait. Et je sais que je suis en train de rendre fou à 2-3 personnes parce que je fais pas attention aux frais de port. Quinze, s'il vous plaît. Madame, bonjour. Quatre-vingts centimes. Tenez. Donc ouais, le chien, je vais le mettre là, du coup. Et les petits produits comme ça, je vais mettre devant. Je pense que c'est moins agressif si je mets des petits produits comme ça devant que des gros produits en fait. Ouais. Bon, j'ai toujours pas d'amis. Les livres, je trouve la disposition bien. Ah ouais, je voulais faire un truc bizarre. Je voulais voir comment ça rendrait. Genre, on imagine. Attends, y a pas un petit carton là? On imagine que là, c'est un petit pouf. Voilà. Et les gens... Ouais, non.
Ah, j'ai hâte qu'ils mettent de la décoration. J'ai trop envie de décorer. Bon, arrêtez de me piquer mes clients, s'il vous plaît. En plus, vous allez tellement lentement. Céréales. Bon, je continue à faire ça. Ah bah super. Eh monsieur, bonjour. 20, 30. Hop. Je vais chercher des céréales. Imaginez faire ce magasin-là, mais sans restocker. Punaise. Alors, un carton de céréales. Et monsieur, bonjour. Trois petits yaourts? Ok, pas de soucis. 15,40 pour voir. Dommage. 5,40. Madame, bonjour. J'essaie pas du tout de vous voler, vous en faites pas. J'ai des gros doigts. 118,95. Non, ça veut pas passer, hein. 108,95. On va allumer. Ouais, du sprite. Du sprite. Attendez, je mets le sprite et j'arrive. Oula. Et monsieur, bonjour. Oh, vous avez beaucoup d'animaux? Plein de pattes, c'est bien ça. Papier toilette, ok. Ils sont pas propres, c'est ça. Bonne journée, au revoir. Je vais voir combien il reste de pattes. Ouais, je vais faire les pattes, tiens. Hop. Ah, je croyais qu'il en restait moins que ça. Ah, si. Ok. Bon, ça coûte trop cher. Jamais je le jette, monsieur. Il en reste qu'un seul. Hop. Madame, bonsoir. Ah non, il est 164, frère. Madame! Les pchit-pchit, ça part tellement vite. Hein. 52. Tout pile. Monsieur! J'allais vous dire les courses de la semaine, mais ça m'étonnerait. Ah, 221 quand même, 221 €. C'est chéro ça, chez moi. On dirait les monoprix des petits villages, vous savez, ceux qui augmentent de limite de 100% leur les produits. Ah, vous voulez une petite anecdote? Allez, je vais vous faire une petite anecdote. Quand j'étais jeune et tout, j'avais une maison de campagne. À Acclel, pour ceux qui connaissent pas, c'est à côté de Grenoble. Alors quand je dis maison de campagne, vous faites pas des idées, hein. C'est pas voilà, hein. Pas la maison luxueuse avec piscine quoi que ce soit. Notre salle de bain était à l'extérieur dans des petits cabanons là. On avait trois douches et elles étaient à l'extérieur quoi. Il y avait pas de télé à l'intérieur de la maison. Il y avait juste un frigo, il y avait pas d'électroménager. On y allait, c'était vraiment, on était coupé du monde quoi. C'était vraiment. Voilà quoi, on va se ressourcer, loin de télé, tout, on écoutait la radio le soir, tout ça quoi. 122,75. Et donc en fait, Claire, c'est vraiment un tout petit hameau, on va dire ça comme ça, 10,40. Il y a 10 maisons, grosso modo. Tout le monde se connaît. Tout le monde mange ensemble le week-end, tout ça. Et tous les soirs, l'été, c'était à 21 h, la pétanque, le rosé et tout ce qui va avec, quoi. Bref, et donc en fait, elle était. Là, elle était en haut d'une. D'une petite colline. Collinette. Plutôt, ouais. Et. Enfin, là où je vivais, le petit village qui était. Le petit hameau qui était relié à Claire. Et pour descendre en fait dans le centre du village, il fallait faire 2 km à peu près.
Et par des trucs sinueux et tout, trucs de terre et tout, pas de route ou quoi que ce soit. Quand je vous dis couper du monde, c'est couper du monde, hein. Et donc, quand j'allais, mon père et ma mère me disaient, ouais, faut que t'ailles chercher le pain. Alors ça me faisait, voilà, parce que 2 km à pied quand t'es à Minot, il me faut des pommes de terre. C'était la galère, quoi. Et du coup, hop, 5. Et du coup, en fait, quand j'allais là-bas, donc je disais bonjour à tout le monde et tout, et il y avait un petit magasin de village, supérette et tout, et les prix, genre le pain de mie, vous le trouvez quoi, 1,60 € un truc comme ça, on va dire, à Leclerc, un truc comme ça. Là-bas, il était à 3 euros. Imaginez le bordel. Une bouteille de coca. Ah, c'était à 3 euros aussi à peu près. Je trouvais ça énorme. Et du coup, moi, bah, je suis un petit quoi. À ce moment-là, je voulais des gâteaux, je voulais des bonbons. Surtout qu'il y avait, vous savez, les bonbons qu'on prenait à l'unité, qu'on pouvait faire nos petits sacs et tout. Et là, le malabar, il était pas à 50 centimes. Il était à 80 centimes. C'était immense. Quand t'es petit, voilà quoi. Ah mais c'est trop trop cher. Mais heureusement il y avait toujours à côté du magasin il y avait le bar et tout. Puis enfin le café pas le bar. Et les gens me connaissaient alors ils me faisaient des ils me donnaient une petite pièce. Ils me disaient ah gamin tu vas me prendre mon pain et puis au passage prends-toi un bonbon tout ça tout ça. Du coup voilà. Mais c'était hyper cher. J'ai connu l'inflation avant que l'inflation soit là. Voilà. C'était la petite anecdote, et on a 40 000 dollars, voilà. Et vous avez pas vu le temps passer, hein, avouez-vous. Et on ferme. 56 clients, tout a été parfait, on a eu un bon truc, c'est nickel. Et du coup, on va commencer une nouvelle journée. Le livre Once Upon a Time et du lait. Alors, Once Upon a Time, Once Upon a Time et le lait. 11,80. Et le lait par 6, on va les aider à le mettre. C'est bien le lait par 6, on est d'accord. Ah, t'as pris du lait? Non, t'as pas pris du lait. Ok. Hop. Ça part vite hein, quand même le lait, je trouve. Hein. Mais une seule étagère, hein, je pourrais le mettre, hein, je pense, quand même. On va laisser les stockers faire leur vie, on va payer notre facture et puis on va acheter la nouvelle licence ensemble. Alors, la nouvelle licence qui est celle-là, on va prendre la licence entretien à 34 600. Et ces deux-là, on les prendra plus tard. Et on va acheter, pardon, au marché. Hop. Un produit de chaque pour voir à peu près à quoi ça correspond. Histoire de, comment dire, de voir quel genre de rack il va falloir pour tout ça. Alors on va ranger déjà ce qu'il y a à ranger. Tiens, il me faudrait des fûts de bière apparemment. Ah, voilà, ça c'est ça. Ça va là. Ça va là. Pomme de terre, là-bas. Deux fûts de bière, un paquet de chips apparemment. Et ça c'est quoi? Du dentifrice. Ok. Alors, deux fûts de pierre. On va vite fait faire les machins. Alors, pierre 2. Chips. Je crois que c'était les oranges qu'il fallait. 1. Et pâte, pâte. Pâte. Pâte 1. Miaou 1. Pâte, pâte, le gros paquet.
Il en faut un. Là, on a du pain. Est-ce que je t'en mettre là-bas? Non. Toujours pas. Toujours pas. Donc, il me faut pain sandwich. Pain sandwich. Je fais ça parce qu'il y en a qui aiment bien me regarder faire. Donc, moi, vous savez, j'aime faire plaisir à tout le monde. Soda 1 et soda 2. Et puis, ah ouais, petit bleu. Ah ouais, ça part trop vite. Ça part tellement vite. Va falloir vraiment que... Peut-être que j'en mette plusieurs par... Hop. On va faire cleaning encore. Ouais, honnêtement, je vais prendre un de chaque, c'est pas grave. Hop. Deux javel blanches. Trois papier toilette. Ok. Alors, javel blanche. Un et deux. Voilà, on va ranger ça. Et puis, on va mettre en place les nouveaux rayons. On va mettre tout correctement. C'est vrai que j'adore ranger quand même. J'adore faire l'inventaire en fait, c'est tout bête, mais j'adore ça. À la fin, j'ai la satisfaction que les racks sont pleins et je trouve ça trop cool. Voilà, c'est... Je me suis trompé dans la bière, hein. Bah ouais, il a fallu que je le fasse, je me suis trompé dans la bière. Et vous ne l'avez pas dit. Merci. Je peux compter sur vous à ce que je vois, c'est sympa. Punaise. Des fois... Je vous jure, mon cerveau, il marche qu'à moitié. Bientôt, je vais demander des fûts de bière orange. Mon cerveau, il va lui dire, ouais, tu vas prendre de la bière bleue en canette. Je vais rien comprendre. D'ailleurs, il me montre des fûts de bière. Bleu. Et orange. Ah, il y avait un pas de pâte quand même. Il avait pas fini de le mettre, ok. Alors ça, ouais, ça, je pense que je vais en mettre sur ailleurs. Non, pas ça, ça, on n'y touche pas. Hop. Tac. Ah, mais il n'y en a que 8 par carton, là, du truc que je viens de poser, là. Quoi? Ah, suite de flûte. C'est pour ça que j'aime pas poser quand il y a les restockers. Ils sont des cartons en main. J'ai une chance sur X que je me trompe et qu'il y en a encore dans son carton. Quoi. Hop, voilà. Alors, on va commencer par ça. Donc, ça, je pense que un petit séjour ici, ça serait parfait. Ouais. Ça, pareil. On va mettre ici. Donc attendez, ça en fait 1, 3. Il en faudrait 3 de plus. Ok. Je vais aller les mettre directement. Alors. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Ensuite, l'adoucissant. L'adoucissant, on en a. On en a ici. Du coup, alors. Alors, le truc. Le truc qu'il faudrait faire, c'est. Je ne sais pas. Ou alors. Ça, c'est quoi? Ça, c'est compact. C'est. Non. Ça, c'est papier toilette. Ou alors on met un papier toilette là. Comme ça c'est l'allée du PQ. Là. Ici on met adoucissant. Non. Attends. Tu.
La javel, là-bas. C'est trop gros. C'est trop gros, c'est agressif. C'est trop gros, c'est agressif. Et ça, comme ça, du coup. Les trucs pour animaux, je pense qu'on va les mettre sur le côté là. Du coup, ça, je pourrais les mettre là, vite fait. Voilà, comme ça, là, ça fait comme dans mon Leclerc. Et ça devant, pour que ça soit moins agressif. C'est pas des gros produits, donc ça fait moins agressif, je trouve. On va acheter un rack, enfin une étagère là. Hop, on va mettre devant. Enfin sur le côté. J'ai dit qu'on va mettre sur le côté. Pourquoi l'autre rentre et lui ne rentre pas? Qu'on m'explique s'il vous plaît. Pourquoi l'autre rentre, mais pas celui-là. Ok. Donc, là on a de l'adoucissant. Là on a de la javel. Ok. Ça va être compliqué, en fait. Ouais. Là, ouais, ça va être compliqué. Parce que ce que je voulais faire, ce ne va pas être possible. Parce qu'on a ça encore. Et dentifrice, est-ce que... Ou alors... Parce que là, c'est du soin. Ou alors... Ou alors... Attendez. On va prendre un carton. Quel carton il faut pour le shampoing et tout ça? Je crois que c'est ça. Pourquoi tu me le présentes comme ça? Je ne sais pas. Savon, 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 savon. Tu vas où là? Tu vas où? Tu vas où? Ça m'a fait peur. Comme ça. D'accord, sur deux étages. Ok, très bien. C'est pas mal ça, non? Attendez. Bah, attends toi. Est-ce qu'il va... Oui. Il y aura de la place à mettre. Ok. Donc ça, là, franchement, je trouve que c'est plutôt correct. Le problème, en fait, c'est là. Ça va être là. Ça, on n'y touche pas. Rayon PQ, on n'y touche pas. Javel, on n'y touche pas. Ça, c'est quoi? En fait, je me retrouve avec un problème. Attendez. Ah ben, attendez. Attendez, je crois que j'ai une solution. I think I have the solutions. But, ok. Non. Attends. Ok, alors vous me dites si c'est bon ou pas. Vous allez me dire. Moi, ça me semble logique. Le but est vraiment parce qu'on n'aura plus de cleaning. Là, on est d'accord? On n'en aura plus. Donc, si je fais un truc comme ça, tac, on enlève ça, tac, on enlève ça. Voilà. Donc, bon, alors là, je le mets comment? Comme ça? Ou comme ça? En l'horizontale ou à la verticale comme ça? Attendez, je réfléchis. Parce que le...
Ça part vite et il n'y en a que 8 en fait. Mais bah ça, il n'y en a que 6 en fait. Attends, il y en a 8 là? Ah ouais. Donc soit la verticale. La verticale, ça ferait 2, 2, 2, 4 cliniches, 2 booms et 2 machins là. Et ensuite... Ensuite, je mets ça là. J'ai chaud. Ok. Va poser le carton, j'en ai besoin, Jackie. Enfin, Teletubbies là. Oh, punaise. Ok. Du coup, ça, adoucissant, tout doux, là. En fait, le problème qu'il va avoir là, ça va être le comment je pose les machins, en fait, pour les rendre jolis. Ça va pas être... Ouais, ça va être ça en fait. Falloir que j'en rachète. Parce que, est-ce que... En fait, là, ça me gêne. J'ai l'impression que la verticale serait mieux. Genre... Verticale... Comme là, là. Ah non, pas du tout comme là. Je sais pas. Je sais absolument pas. Et pareil, pour les pchipchits, est-ce que je fais bleu? Bleu. Bleu. Vert. Noir. Ou bleu, vert, noir. Et là, je mets du, je sais pas quoi, du noir encore. Ou du vert, je sais pas. Je sais pas, je sais pas du tout. Oh la vache! Mais le truc que je veux faire est là en fait. J'ai réuni le PQ ensemble. Les trucs pour nettoyer au lave-vaisselle ensemble. La javel ensemble. Chip-chip ensemble. Je pense qu'on est bon. Le soin aussi ensemble. Avec le dentifrice au-dessus. Je trouve que c'est plutôt joli ça par contre. Mais c'est tout le reste en fait qui me manque. Ouais, je pense. Et là, il y en a qui disent, ouais, tu peux ouvrir. Non, je peux pas parce que je suis en pleine réflexion, ok? Il n'y a pas le temps, je peux pas ouvrir là. Je fais trop de choses là, monsieur, dame. Ouais, non, ça... Le PQ, j'en suis content. Cette zone-là et la zone lecture, j'en suis plutôt content. Voilà. Et là, il faudrait quoi? Un adoucissant encore. Et puis après, un adoucissant et un dentifrice. Ouais, je suis assez assez partagé là. Dites-moi vertical ou horizontal pour
Pour les trucs où je galère là. Eux, je sais pas. Eux, comme ça peut être joli. Ouais, non, dites-moi vertical ou horizontal pour tout. Comme ça, je serai tranquille en fait. Là, je sais pas. S'il y en avait un de chaque, enfin, quatre différents, ça aurait été top, mais non. Mais non, mais non, mais non. Ouais. Ouais. On va y réfléchir. Bref, en tout cas, moi je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.